Il est fixe. Au pied, il est fixe. Hein? Mais qu'est-ce qu'il y a? Oh, raconte à ton papa, qu'est-ce qui a bien pu te faire une peur pareille? Oh, ça alors? Hein? Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un glouglou tout prêt à cuire à la broche. C'est incroyable! Mais c'est mangeable! Allume le feu, 8! Regarde ce que je ramène, Astérix. Est-ce qu'ils sont pas mignons? Ils sont mignons, mais est-ce qu'ils sont bons? Attends au moins de les avoir goûtés. Écoute-moi et fais bien attention. Je vais t'enseigner une ruse de chasseur. Écoute, il faut imiter le cri de ce machin qu'on chasse là. Écoute ça. Chut. Goulou, goulou, goulou. T'entends? Ça a marché. Il est là-haut. Maintenant, ruse de chasseur numéro 2. Faut s'approcher sur la pointe des pieds. Et ensuite, il faut lui secouer les plumes et ce drôle d'oiseau sera cuit-cuit. Tiens, des plumes, il en a, mais c'est sûrement pas un glouglou. C'est un homme rouge-gorge. Peut-être qu'il sait où est passé notre druide. Faut que je le montre à Astérix. Bon appétit, Bill. Ah, c'est excellent. Est-ce que c'est du glouglou? Non, Toto. Que bon. Astérix et Obélix étaient les héros du jour. Parlez-nous encore de ces hommes rouges. Ah, ces Indiens. Oui, ces peaux rouges. Eh bien, ils avaient des plumes dans les cheveux et ils chantaient une étrange chanson tribale. À quoi ressemblait-elle? Je vais vous la chanter, écoutez. Ding dang do gouli 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 one, dim dam do, dim dam do. Vous êtes prêts? Dim dam do gouli 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 one, dim dam do, dim dam do. La 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 la. Et c'est ainsi que nous dirons adieu à la splendeur de Rome, à la Gaule victorieuse et à la chanson qui fait Dim Dam Dou Gouli Gouli.